La question en fait c'est comment répondre à que c'est même pour pardonner, mais lorsqu'une personne par exemple t'a trompé et que justement tu pardonnes cette personne, à chaque fois par exemple tu entends parler de cette personne, en fait tu as le souvenir de la tromperie de cette personne qui revient. Comment on fait justement pour pardonner mais pour que ça ne revienne pas? Ça va tout le temps revenir. T'es blessé sur le plan physique. Parce qu'elle t'a avec une épée. Il y a un couteau. La blessure, la cicatrice reste. Le passé, les choses que nous avons vécues dans le passé, on ne peut pas les oublier comme ça. On ne peut pas les oublier. On ne peut pas parce qu'on n'est pas amnésique, on n'est pas frappé d'amnésie. On n'est pas. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de se nourrir de l'amertume, c'est de ne pas être amer et désirer le mal, le malheur pour la personne. Evil and hard. Là, c'est la méchanceté. It's called wickedness. Tu vois? Yes. Voilà. Et puis, attention quand on dit que also, avec l'amour d'après, il faut pardonner et aux gens qui nous ont blessés. Mais pardonner ne veut pas non plus dire que accorder encore du crédit. Fermez les yeux sur la personne qui risque de nouveau de vous violer ou vous mettre encore à table avec la personne qui risque de vous empoisonner si vous a empoisonné, elle vous a empoisonné hier. Je te pardonne, tu m'as empoisonné, je te pardonne. Mais j'ai plus confiance, je ne veux plus manger avec toi. Mais je ne désire pas ta mort. Je te pardonne, je te bénis. Mais on ne va plus marcher ensemble comme hier. Mais je ne suis pas ton ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. C'est toi qui es mon ennemi, mais moi, je ne l'ai pas. Tu vois?